Aujourd'hui, c'est une belle victoire pour la démocratie. On vient de voter un texte qui défend enfin les lanceurs d'alerte dans l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, c'est une vraie belle avancée. À un moment où on s'était opposé à la directive secret des affaires, à l'opacité et à cette espèce de chape de plomb qui est mise sur les informations que veulent donner des citoyennes et des citoyens sur des sujets d'intérêt général et d'intérêt public. À ce stade, ils étaient poursuivis, ils allaient même en prison. On vient enfin de voter un texte qui les protège dans les entreprises, qui les protège en dehors des entreprises, qui leur permet de choisir le canal qu'ils veulent pour diffuser l'information, y compris dans le public et par la presse. Donc c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour la liberté de la presse, c'est bon évidemment pour la protection de ces personnes-là. Maintenant, la balle est dans le camp des États. J'espère qu'on va pouvoir avancer et avancer dans le bon sens. En tout cas, aujourd'hui, il y a lieu d'être heureux.